une autre technique qui est assez sournoise, qu'on appelle la technique du pied dans la bouche. C'est très imagé, hein, mais c'est les termes qu'on choisit, je vous les vois, hein, ils sont bien marrés quand ils ont fait ça. Le principe, c'est, et je vous jure, c'est sournois, et ça marche très très bien, c'est, textuellement, c'est introduire un élément empathique avant de demander ce que vous voulez demander, quoi. Exemple. Test fait par Howard, il me semble que c'est les années 77, un truc comme ça, pour acheter des cookies. Alors, ça se passe par téléphone, et la question standard qui est posée à chaque fois, c'est celle-ci. Bonjour madame, je me permets de vous téléphoner car je travaille pour le comité et pour aider l'association et je voudrais vendre des cookies, est-ce que vous voulez accepter d'acheter des cookies? Alors la personne s'engage à acheter des cookies, puis après vous vous rendez chez elle, et puis elle vous achète les cookies. Quoi. Et donc, dans le cas contrôle, on pose cette question-là, 18% des gens à qui on a téléphoné s'engagent à recevoir la visite. D'accord. Pied dans la bouche, la situation pied dans la bouche, c'est celle-ci, c'est bonjour madame, et là c'est en rouge donc vous ne verrez pas, je suis désolé, j'ai oublié de le passer en autre couleur, comment allez-vous aujourd'hui? Et là vous attendez la réponse de la personne. Et la réponse de la personne, là pour le coup chez Howard, c'était 108 sur 120 répondent bien, mais en fait parce que c'est un code social ça. Quand quelqu'un vous dit alors ça va? Bah ouais ça va. Puis en fait, mais même si ça allait pas, vous ne diriez pas non ça va pas quoi. La plupart du temps, surtout un inconnu, on va pas lui dire bon non. Non, ça va pas, je t'emmerde, je raccroche. Ça se fait pas, quoi, vous voyez. Ça, c'est des codes sociaux, quoi. Ça se fait pas. Et alors, vous faites ça avant, la personne dit oui, très bien, merci. Ah, je suis heureux que vous alliez bien. Et là, je me permets de vous téléphoner. Et en plus, en faisant ça, vous obtenez le double de gens qui vous font des commandes d'achat. Et en plus, souci de cohérence, le jour de la venue du vendeur, c'est 99% qui achètent les gâteaux. Donc ça, c'est génial. Après, bon, je vous ai détaillé tout ça. Hein, quel est le mécanisme qui se met un peu à l'œuvre là-dedans? Mais n'allez pas vous méprendre, c'est pas une question de politesse. On pourrait se dire, ah, mais il est vachement. C'est parce que la personne qui présentait est vachement polie, elle est vachement éduquée et tout. Non, c'est pas une question de politesse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé ensuite le même topo, mais avec cette phrase, j'espère que vous allez bien, qui ne nécessite pas de réponse, et celle-ci qui est « Comment allez-vous » Et là, vous attendez une réponse qui est « Bien ». Ah, bon, d'accord, tac, 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 tac. Et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas la politesse qui se joue. C'est introduire un élément empathique avant la formulation de votre question. Celle-ci, qui m'énerve beaucoup, je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça. Alors maintenant, je me débat. À chaque fois qu'on me fait une technique comme ça, je me débat, mais je me suis fait encore avoir, il y a 7 ou 8 ans. Rue Lafayette. Je dénonce le marchand qui m'a fait ça, qui était une marchande en plus. Parce que c'est souvent sur les chaussures, je ne sais pas ce qu'ils ont les marchands de chaussures, mais ils nous font souvent le coup de la technique du leurre, c'est-à-dire de nous faire acheter quelque chose qu'on ne voulait pas. Et ça marche très très bien. En gros, la méthode est toujours la même, c'est vous offrez un avantage en vitrine, genre pour mon cas c'était une super paire de bottes qui était trop belle, génial. Oh. Oh, super, pas cher, en promo, génial, hop. Donc je rentre, hop, je fais l'acte de rentrer. Une fois que vous rentrez déjà, c'est un contexte un peu propice à l'achat, quoi. Vous êtes un peu, il y a une dame qui vient, qui vous touche, qui est une autre technique de manipulation, hein. J'en parlerai très très brièvement, et qui vous touche, qui entend en contact avec vous, qui dit « Ah, alors vous voulez quelque chose de précis ? Ah oui, j'ai vu les bottes qui sont dans l'entrée. Ah, vous chaussez du combien ? Bah, du 45. Bah c'est bête, il ne nous reste plus que du 32. Il reste celle qui est dans la vitrine, c'est du 32. Alors, oui, c'est la dernière. Je suis vraiment désolé. Par contre, on a d'autres chaussures qui sont, certes, légèrement plus chères et un tout petit peu différentes. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que et vous êtes rentré, vous ne voulez pas sortir déçu. Vous êtes fait appâter par un leurre, c'est-à-dire une offre qui n'existe pas. On vous met ça miroité à l'entrée et vous rentrez pour ça. Et après, pour ne pas ressortir frustré de ne pas avoir fait votre acte d'achat, vous pouvez vous retrouver comme moi, pauvre abruti, à repartir avec des bottes et ensuite raisonner, et on verra ça tout à l'heure, raisonner à rebours pour me dire non mais elles sont quand même bien les nouvelles bottes que j'ai prises alors que je les ai achetées plus chères et que c'était pas celles que je voulais. Donc bravo à cette dame qui m'a extorqué ça, c'est la dernière fois que je me suis fait avoir par cette technique du leurre qui de toute façon est illégale en France. Il y a des grandes enseignes qui se sont fait taper sur les doigts là-dessus parce qu'elles font, c'est filmé, Carrefour. Non, je ne l'ai pas dit, hein. Carrefour ou Leclerc ou des trucs comme ça, qui vous proposent des magazines de présentation, des soldes ou des produits qui sont en promotion. Et des fois, en fait, ils vous appâtent pour vous alliez à Saint-Égrève ou je ne sais pas où, facile déplacement, parce qu'il y a une super promo sur des super trucs. Et puis quand vous arrivez là-bas, vous dites « Ah mince, c'est fini, il n'y a plus de stock. » Ah, alors maintenant que vous êtes là, ben,
vous avez envie d'acheter, je sais pas, un nouveau frigo ou une PlayStation ou j'en sais rien, mais vous allez acheter quand même autre chose d'équivalent, quoi, pour pas repartir frustré. On appelle ça la technique du leurre. C'est interdit en France, normalement. C'est interdit en France. Après, je vais pas faire un déroulé de tout, hein, mais je vous donne quand même celles-ci qui sont les principales. Cette technique-là, qui est une technique qu'on appelle la technique de crainte puis soulagement, vous verrez que cette technique est souvent employée par les hommes politiques. Il s'agit de faire peur à votre sujet, et puis ensuite le rassurer. Donc vous induisez une peur, l'effet de soulagement va ensuite favoriser ce que vous vouliez lui demander, quoi. Alors, il y a une expérience que je trouve assez géniale, qui est faite par Dolinsky et Navrat, c'est dans les années 97 ou 98, j'ai marqué. Ils se sont amusés à attendre des gens qui se garaient sur des places de parking handicapées. Donc eux, ils sont là, c'est l'équipe de psychologues et les étudiants, et puis il y a des gens qui se garent sur... Ils guettent ceux qui se garent comme des salauds sur les places handicapées, d'accord ? La personne va faire ses courses, eux ils viennent et ils posent sur le pare-brise de la personne qui s'est garée comme un pied, elle pose un papier qui ressemble à un PV. Alors, là où ça s'est passé, je crois que c'était un papier rose, mais pour nous ça aurait été une grosse vignette marron ou orange, vous voyez, ou beige, quoi. Et maintenant c'est même des petits tickets à Grenoble, c'est un peu différent, quoi. Et alors, regardez bien, cas numéro 1, ils placent un truc qui est comme un PV, quoi, comme un vrai PV, d'accord. Cas numéro 2, ils mettent une pub, mais qui a la même forme que le PV, d'accord. Et puis ils attendent que la personne revienne des courses. La personne dit, ah non, j'ai pas le droit de bouger, ils m'ont dit pour la caméra, alors je vais pas faire la personne qui rentre des courses, mais qui est contente, parce qu'elle a fait des courses. Et elle arrive, elle fait, oh non, j'ai pris un PV. Donc elle court vers sa voiture, et alors, cas numéro 1, c'est vraiment un PV, c'est-à-dire un faux PV, mais il le sait pas, donc il voit ce papier, il fait, c'est pas vrai, je savais que si je me garais là, j'allais m'en prendre une, vraiment. Alors, la personne est en colère. On peut mimer quelqu'un en colère, quoi. Et par contre, si elle découvre que c'est une publicité, elle fait « Oh, j'ai cru que c'était un PV, oh, c'est une pauvre publicité toute pourrie. Cool. » Et là, en fait, ce qu'ils étudient, eux, c'est l'envoi d'une stagiaire ou d'une psychologue en herbe ou un psychologue en herbe qui vient et qui se présente juste après que la personne ait découvert le papier et lui dit « Bonjour, je suis étudiante à l'Université de Grenoble. Voudriez-vous remplir un questionnaire pour moi ? Ça ne prendra que 15 minutes, ce qui est affreusement long, 15 minutes pour... » Et là, on regarde, est-ce que la situation est différente pour des gens à qui on met rien, des gens à qui on a mis un vrai PV, des gens à qui on a mis une publicité. Ça va, c'est clair, mon topo, là, à peu près. Dans le cas contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier sur le pare-brise, on chope que les gens qui sont garés comme des pieds, il y a à peu près 32% des personnes qui participaient dans l'étude. Ils ont fait ça sur un beau panel. Hein. Condition peur, c'est-à-dire les gens arrivent et croient qu'ils ont vraiment un vrai PV, on leur demande de participer à l'enquête, là, ça tombe à 8. Pourquoi ? Parce que les gens sont fâchés. Ils font, bah, certainement pas, non, j'ai déjà pris un PV, je vais pas m'emmerder avec tes conneries, dégage. Bon, voilà, en gros, je vous mime quelqu'un de fâché. Condition crainte puis soulagement, la personne qui fait, ah bah non, j'ai du pot, hein. Oh là là, bien sûr. Et là, on est à 62% des gens qui participent à l'enquête. Si vous savez manipuler la peur chez les autres, vous pouvez obtenir leur agrément sur certaines choses. Notez qu'il y a certains partis politiques qui jouent sur cette fibre-là. C'est leur job, quoi, de jouer sur la fibre de la peur et de proposer des soulagements. Ensuite, vous saurez certainement les déjouer. Technique de porte au nez. Formuler. Ah ouais, alors, celle-là, je suis gêné parce qu'il faut que je la dise en vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est parce que je l'ai fait deux fois et j'ai honte, mais je le dis, je l'avoue. C'est formuler une requête trop grosse, demander quelque chose de trop gros. En face, la personne va dire « Non, jamais de la vie !» Alors vous dites « Bon ben, quelque chose de plus petit alors ?» Et là, elle dit « Oui, au truc plus petit, et bien plus que si vous aviez demandé tout de suite le truc plus petit. » Vous voyez l'idée ? Alors je vous donne deux exemples. J'ai mis le logo de François B. François B, c'est un graphiste grenoblois que j'adore, qui est un de mes amis, qui était là au semestre précédent, dans cette salle, qui a fait le logo du Cortex, qui fait plein de choses pour nous. Un jour, je lui dis « Et est-ce que tu pourrais me faire un site internet, tu sais, vachement compliqué, avec plein de trucs, là, parce que tu vois, là, là. » Il me fait « T'es fou, ça prend des semaines à faire ça, c'est épouvantable, tu me demandes ça comme ça, c'est pour quand, pour après-demain, non mais t'es complètement malade !» Donc je le laisse bouillir un peu, puis après je lui dis « Bon, bah, écoute, si c'est trop coûteux, c'est pas grave, tu sais, en fait, c'est vraiment pas si grave que ça, mais un petit logo, ça nous serait vachement utile, quoi. » Il fait « Ah, le logo, je peux te le faire, pas de problème, quoi. » En fait, je fais une vieille technique de porte-au-nez, quoi. En fait, je voulais que le logo, j'en ai rien à foutre du site, quoi. Et donc, j'ai obtenu mon logo. Puis après, il est revenu, je sais pas, peut-être 10 minutes après, il me fait « Salaud, tu crois que je l'ai pas lu ? En fait, ce que tu m'as fait, c'est une porte-au-nez, j'ai déjà lu ce bouquin, t'es vraiment un enfoiré. » Donc, il m'a insulté. Et avec ma nana, j'ai fait la même chose une fois, j'ai dit
Ça te dirait qu'on a passé 2 semaines chez mes parents ? Elle me fait quoi ? Pardon maman si tu écoutes cette vidéo. Mais t'es malade ? 2 semaines, c'est épouvantablement long. Ah non, je vais mourir d'ennui, je vais m'ennuyer, c'est horrible. Je dis bon, je comprends, c'est pas facile. Bon, un week-end ? Elle me dit bon, un week-end, d'accord. Mais si je lui ai demandé le week-end, elle m'aurait dit non. Hein. Elle m'aurait dit non. Et donc c'est moche, il faut pas faire ça, c'est mal. Il faut pas faire ça. Là, je rentre pas dans le détail de ce genre de technique parce que c'est un peu évident. Enfin, c'est peut-être pas si évident que ça. On peut se retrouver engagé par des pseudo-dons, c'est-à-dire des gens qui vous rendent un service, mais qui en fait attendent. Enfin, il faut savoir que quand on rend service à quelqu'un, on oblige l'autre personne parce que dans notre tête, nos comportements, probablement parce que ça a été porteur sur le plan évolutif, fait qu'on a un sentiment de réciprocité très forte, qu'on a envie de rendre. Et quelqu'un qui vous a offert quelque chose, vous vous sentez redevable. Si vous vous a payé le café la veille, ben, le lendemain, vous dites bah, « Non, c'est mon tour !» On a envie de solder, si vous voulez, la dette que l'on a. On se sent obligé. Il y a des gens qui savent exploiter ça très, très, très bien. Alors, je ne rentre pas dans plein d'exemples, mais un petit conseil. Des fois, les méthodes pour manipuler ou influencer, elles peuvent être avantageuses. Je trouve qu'elles sont morales quand vous vous en servez pour déjouer des situations d'autorité très violentes. Si vous avez un directeur de mémoire ou de thèse ou de travail ou un prof qui n'est vraiment pas cool et que vous voulez rétablir ça, avant de lui faire une requête qui va être un peu compliquée pour lui, genre revoir votre note ou j'en sais rien, réévaluer un truc avec lui, payez-lui le café, ça améliore vraiment la suite de votre requête. Voilà. Là, je trouve que vous auriez le droit de faire ça. Pas avec moi, hein, ça ne marche pas avec moi, mais vous pouvez le faire avec d'autres. Quoi. Quand la situation est très, très autoritaire, je trouve que ça vaut le coup. Et il y a des dérives sectaires qui fonctionnent comme ça, qui vous offrent des petits cadeaux. Vous savez, vous, qui distribuent des petits... Bah, les témoins de Jéhovah font ça, les mormons aussi, ils vous donnent une petite Bible en passant, un petit... j'ai mis une photo des Hare Krishna. On appelle ça des mouches dans le langage de psycho, c'est-à-dire des objets qu'on vous donne comme ça, mais en échange, on attend de vous un comportement qui sera plutôt clément, quoi. Et les Hare Krishna, ils distribuent le texte de la Bhagavad Gita, là, ce texte du 3e ou 4e siècle avant l'ère commune. On peut exploiter ça, le don et le contre-don. Et puis, vous avez la rareté, c'est un des derniers que j'ai traité, la rareté, jouer sur la rareté. C'est un super exemple que traite Cialdini. Cialdini, quand il était étudiant, il explique dans son bouquin qu'il il arrondissait ses fins de mois et il a financé quasiment toutes ses études comme ça en vendant des bagnoles pourries. Il disait, mais mes bagnoles que je vendais, je les réparais, mais c'était quand même pourri, quoi. C'était supra pourri, quoi. Méga pourri, pourrave, quoi. C'était des tacos pourris. Et il disait, je ne pouvais pas laisser des gens qui voulaient acheter mes bagnoles les regarder trop longtemps, sinon ils allaient voir qu'elles étaient pourries. Alors il jouait sur ce qu'on appelle la rareté. C'est-à-dire qu'il explique, je donnais rendez-vous toujours à la même heure à 3 ou 4 personnes qui étaient intéressées. Donc la première personne, elle arrive, elle commence à faire le tour de la voiture. Ouais, bon, ouais, ok. Et là, hop, évidemment, c'est à la même heure, les autres acheteurs arrivent, quoi. Donc il y a une pression sociale qui se fait d'un seul coup, et il explique qu'il il appuie là-dessus en disant « Monsieur, vous pouvez regarder, mais pas trop longtemps, parce qu'il y a quand même d'autres gens qui attendent, donc si vous n'êtes pas intéressé, dites-le moi tout de suite, et comme ça, d'autres gens peuvent regarder. » Et généralement, la personne va préférer se contenter d'une bagnole pourrave, c'est ce qu'il explique, hein, que de le laisser partir une éventuelle affaire. C'est moche hein, comme procédé, mais voilà, ça marche très très bien. Mais la rareté est exploitée par un phénomène social que je trouve toujours assez déconcertant, qui est le phénomène des soldes. Les soldes, la définition des soldes, je ne sais pas si vous avez regardé quand c'est qu'elles arrivent les soldes, mais les soldes arrivent toujours après un grand moment de dépense dans les foyers, quoi. Après Noël, etc. Et donc, les soldes, c'est l'art de vous soutirer votre pognon quand vous n'en avez plus, quoi. Et donc, ils baissent leur prix pour venir vous gratter encore un peu. Et ça marche du feu de Dieu. En plus, on vous annonce qu'il faut faire vite, qu'il faut se dépêcher, que c'est rare, que l'aubaine, oh, vous avez fait une super affaire. L'important pour les marchands, c'est de vous faire sentir que vous avez fait une bonne affaire, même si ce n'est pas vrai. Même si vous repartez avec 18 paquets de BN qui étaient en paquet ensemble, qui étaient en promotion, mais vous n'avez peut-être pas besoin de 18 paquets de BN, en fait. Mais vous trouverez ensuite une raison pour dire « Non, mais j'ai bien fait de prendre ces BN, parce que des fois, on a faim, alors... Et voilà, 18 paquets de BN, je tiendrai un bon moment. Et on vient à rebours chercher des raisons, vous voyez ? » Donc vous voyez, solde, on insiste bien, vite, j'en profite, vite, ah là là, on cible bien les nanas en général aussi, etc., etc. Et puis,
vous avez des techniques qu'on appelle techniques d'étiquetage. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est la technique favorite des enfants, j'ai remarqué. Les enfants qui viennent vous voir et qui vous disent « Ti, papa, toi qui es si gentil, est-ce que tu veux bien m'emmener faire je sais pas quoi ?» Sous-entendu, si tu le fais pas, t'es pas gentil, quoi. Donc on se dit « Bah, comme je suis un gentil papa, allez, d'accord, je vais le faire, quoi. » Mais c'est une technique qui est moche. Ma gamine, quand elle me fait ça, je lui dis « Non. » Je ne ferai pas ce que tu m'as dit, car tu m'as fait une technique d'étiquetage, toi qui as 4 ans, misérable machin. Et non, je fais pas, je fais quand même, malheureusement, voilà. C'est de l'influence douce, quoi. Puis je sais que je suis un gentil papa. Jouer sur l'élitisme, c'est alors, étiquetage et élitisme, jouer sur le fait que vous êtes quelqu'un de particulier, que vous avez un... Vous voyez, qu'on sent, vous avez une aura, vraiment, vous rayonnez de manière particulière, une chose qu'on m'a déjà sortie plein de fois. Chaque fois que je me pointe dans un nouveau mouvement religieux, on me dit vous êtes vraiment... Vous voyez, on rejoint les effets Barnum qu'on a déjà discuté au cours numéro 3, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a un exemple dans un film que j'aime bien, qui s'appelle Les Portes de la Gloire, où joue Poulvord d'ailleurs, mais il n'est pas dans l'extrait que je vous ai amené, où on voit bien ça, cette exploitation par des marchands. Alors, ce sont deux marchands d'encyclopédies, tout moisis, ça se passe dans le Nord, dans une banlieue toute pourrave, ils vendent des bouquins absolument inintéressants, et il y en a un qui explique à l'autre les méthodes, il y en a un qui est absolument nul, et l'autre qui est absolument génial, et alors on voit comment ils exploitent ce sentiment-là. Oh, je vous ai mis L'Oréal parce que le slogan de L'Oréal, c'est un étiquetage. Hein, parce que je le vaux bien, vous vous rappelez de cette phrase. Voici l'extrait. Voilà ce qu'il nous faut. Regarde bien. Tu remarques rien, là. Non. La première qualité d'un vendeur, Jérôme, c'est l'observation. Regarde les deux baraques. On est tombé en plein championnat. Comment ça? Bah, ils font tout pareil. Seulement toujours un peu plus haut, un peu plus gros, un peu plus cher. Tu piges? Les jaloux. Les envieux. Tu peux être sûr que quand Madame A va décider de se payer un malheureux sapin, Monsieur B va nous planter une allée de séquoia. Ils ont la même voiture, mais essence, diesel. Monsieur s'installe une fontaine, madame veut un moulin. Celui-là, il a un ulcère, l'autre, il va se laisser pousser un cancer. Ouais. Bonjour, monsieur Nerval, Patrick Sergent. Moi, sergent de Pégase Diffusion de Paris. Excusez-moi de vous déranger, mais on avait rendez-vous avec monsieur Baudard. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Il n'est pas chez lui, là? C'est curieux, sa voiture, pourtant. Je sais pas, on a sonné, ça répond pas. Vous savez pas quand il va revenir. Écoutez, j'en sais rien, c'est pourquoi. C'est dommage. On est bien lundi 25. Là, c'est la mardi. Il est convenu de se voir aujourd'hui. Et ben, il va être déçu. Il va être déçu, mais c'est pas de notre faute. Hein. Bon, mais excusez-nous, monsieur Derval. Au revoir. Et c'est pourquoi, là, je peux peut-être vous aider. Et vous dites qu'il vous en achète chaque année. Oui, ça fait combien de temps, Jérôme, le docteur Baudard Ça fait combien de temps? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Oh oui. Oui, oui. Au moins 5 ans, sûrement, oui. Vous connaissez sa bibliothèque? Splendeur. Oui. Pas Jérôme? Magnifique, avec les agencements tout en bois comme ça. Lui, il est très mauvais. Hein. Oui, les agencements, oui. Les verticales, les horizontales, hein. Vous appelez l'ébéniste qui lui a fait ça. Compagnon du Tour de France. Fignon? Ben non, Jérôme. Comment il s'appelle? Derval? Derval. C'est moi, Derval. Exact. Vous n'êtes pas parent avec Albert Derval, la main d'or? Je pense pas, non. C'est une grande famille, vous êtes très connu dans la région. Ma foi. Enfin bref, ce seront des volumes qui manqueront à sa collection. Excusez-moi, il vous a déjà versé un acompte, vous voulez dire? Vous plaisantez. On est chez Pégase, on n'est pas chez Rovintex. Hein. Cette réplique-là ne veut rien dire. Mais ça suffit à clouer le bec. Et après, le type va les acheter. J'écourte un peu pour qu'on puisse traiter la fin du cours, mais...
Et après, vous les voyez sortir et ils vont à l'autre maison à côté où ils ne se sont jamais rendus de leur vie. Hein, et ils font exactement le même discours. Enfin, ils sont assez majeurs, quoi. C'est assez majeur. Il y a d'autres techniques. On ne peut pas les voir toutes, mais le geste faussement gratuit, la porte au nez, le toucher, le love bombing, le recours au paranormal. Le recours au paranormal, il faut quand même en parler. Le fait que des gens dans un groupe de type sectaire puissent revendiquer des capacités extraordinaires a toujours donné du crédit un peu à leur thèse. Et donc, on retrouve parfois des allégations qui vont de... Alors, dans l'ordre du temple solaire, Joe DiMambro qui avait par mégarde, ou on ne sait pas comment dire, engrossé une de ses adeptes, a monté un stratagème qui consistait à donner l'impression aux fidèles que pendant une messe, en touchant d'une grande épée le ventre de la jeune femme, hop, la fécondation se faisait comme ça. Au moyen et il y a une lumière qui s'allumait au même moment et les gens criaient au miracle, etc. En fait, il s'agissait d'un pauvre trucage tout pourri. Avec une pauvre LED un peu comme ça, là, cachée à l'intérieur de l'épée. Mais les adeptes du groupe étaient tellement convaincus de ses capacités extraordinaires qu'ils ont gobé, tout cru. Et même les gens qui en sont sortis ensuite disent « Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas douter. » Et même un type avait trouvé l'épée truquée. Il l'a vue et il a dit « Non, c'est pas possible que ce soit la même. » Et hop, il l'a poussé et il a évacué les éléments qui ne rentrent pas dans son champ, si vous voulez. Il a fait une dissonance cognitive qu'il a résolue en évinçant l'élément qui arrivait. Un exemple comme ça de recours au paranormal qui est assez sordide, c'est le cas de Home, de Shoko Asahara dans Home Vérité Suprême, le mouvement japonais qui avait balancé du gaz sarin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à Tokyo en 95. Regardez ici, on voit dans promotion de la lévitation dans des stages exemple, de développement. Exemple, ces photos truquées d'Asahara en plein vol. Nous avons prouvé qu'il était possible d'acquérir des pouvoirs surnaturels en pratiquant la lévitation. Chez Home, sous la direction du maître honorable Asahara, plus de 300 adeptes ont vaincu la force de la gravité et volent. Avant d'atteindre les 30 secondes ou la minute de vol en lévitation, évidemment, l'adepte a un long, très long chemin à parcourir. Et pas question d'avoir une démonstration du maître, Asahara ne vole qu'en toute intimité et dans la plus grande discrétion. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de lévitation ? Je ne suis pas au cirque, ce n'est pas un spectacle. Si je faisais ça pour vous, ce ne serait pas authentique. À défaut d'une démonstration en vol, il est en revanche conseillé d'acheter le mode d'emploi, le livre, la cassette et le t-shirt. 200 francs, 50 dollars, ce n'est pas cher, mais ce n'est qu'un début. Très rapidement, le discours est clair. Pour progresser, il faut payer. Mais si vous ne progressez pas, c'est de votre faute. Voyez, et on revient dans les systèmes qui sont incontradictibles au sens du critère de Popper. On a déjà vu ça en cours.